c'est certainement entre Catherine et l'homme de sa vie, Potemkin. Potemkin, c'est une histoire très bizarre. Catherine II, la grande impératrice de la Russie, l'a rencontrée au début de sa carrière et puis elle a oublié. Et puis, un véritable coup de foudre, c'est après 40 ans. C'était une passion totale. Et Catherine, ce n'était pas un écrivain, c'est un grand écrivain. Il s'est exprimé à travers ses lettres. C'est une passion totale, l'histoire d'amour en détail, la grande littérature érotique. Je dirais le roman de la vie de la grande Catherine. Elle m'a ébloui. J'ai trouvé ses lettres dans les archives de la Russie. Et j'ai publié ça dans le roman de la grande Catherine. J'aurais aimé recevoir une lettre d'un grand écrivain d'autrefois. J'hésite même entre, évidemment, les Russes, que j'adore, Pouchkine ou Bounine encore, ou encore Dostoïevski, mais j'aurais aimé aussi correspondre comme ma grande compatriote Bashkirtsev. Comment oublier ces lettres inoubliables à Maupassant? J'aurais aimé, évidemment, recevoir une lettre de sa part, ou peut-être même de Maupassant. J'aurais aimé vraiment écrire aux écrivains qui m'ont accompagné toute ma vie. Et j'adore ces écrivains de l'âge d'or de la littérature russe. J'aurais aimé écrire une lettre, par exemple, à Tolstoï ou Dostoïevski sur Saint-Pétersbourg, que je tant aimais, pour raconter comment elle a évolué cette ville, comment a évolué ce pays qui a connu une sorte de fléau, la tragédie absolue au XXe siècle. J'aurais aimé raconter ces grands écrivains d'autrefois qui ont eu une sorte de prémonition des aléas de destin de la Grande Russie.